Bonjour à tous les amis, voilà on est de retour ici sur la Z3. Alors ben, on a reçu nos pièces, la durite ici, on a ici une espèce de durite PCV, on a l'araignée des injecteurs, on a encore ici la durite et on a nos deux joints de collecteur. Ah en fait ils venaient déjà doublés. Ok, donc les deux venaient déjà ensemble, donc on aura ici un double. Voilà, voilà, voilà. Donc on a tout ça. Allez, on est tout de suite parti au démontage. Alors, une des choses, on vient dégrafer ici. On desserre ici la durite et on retire son début. Voilà, regardez ici, hein, c'est complètement fondu, c'est scotché, etc. C'est même pas du travail en fait. Alors, on récupère ces colliers et on vient repositionner sur la nouvelle. On va la laisser en attente. Regardez, ici, regardez. Donc ça, sans le test de fumée, je l'aurais pas, j'aurais pas pensé à le contrôler. Hein. Ici aussi, regardez, elle est, regardez. Complètement vert, hein. C'est n'importe quoi. Hein. Alors, ensuite, on va démonter le collecteur. Et le collecteur est déjà sorti. Alors on retire son premier joint. Et on retire son deuxième joint. Voilà. Notre paire de joints ici, celle-là, elle a fait le taf. On éjecte. Ici, on a notre pomme PCV. On va pouvoir la déconnecter. On va venir couvrir ici pour éviter de faire tomber quelque chose dedans parce que ça serait mortel. Voilà. Voilà. Alors, on va déconnecter sa valve PCV ici. Voilà. Donc là, on l'a. Et on va la garder en fait, on va la garder parce que sur des véhicules comme ça, moi je vous conseille de garder toutes les pièces que vous démontez, on ne sait jamais parce que tout est très difficile à voir. Et même si elle est ancienne, elle pourrait quand même vous dépanner dans le futur. Donc ce genre de choses, vous gardez bien. Alors ici on a notre nouvelle, d'abord on va passer un coup de chiffon. Donc ça pour le moment on laisse de côté. On va s'attaquer ici à la grande. Ah ouais putain. Ok ok. Putain. Voilà. Donc, regardez ça. Regardez bien. Regardez. Ce qui est censé amener l'air forcé aux injecteurs. Regardez. Complètement bouché. Par de la graisse. Du scotch. Ça fuyait d'ici. Ça fuyait d'ici.
et encore du scotch. Donc je vais être vraiment très sympa, je vais dire c'est du foutage de gueule, pour pas dire autre chose, d'accord? C'est vraiment du foutage de gueule. Et alors, on va la garder comme ça. Et là, on récupère sa nouvelle. Voilà, regardez. Ce qu'on appelle l'araignée, hein. D'accord? Et alors ici, on va récupérer, parce qu'on a récupéré aussi la durite qui va avec, la nouvelle. Et c'est celle-là, en fait, qui est ici complètement déchirée. Donc celle-là, ça suffit. Et alors, on vient connecter tout simplement ici la nouvelle. Voilà. Donc ici, on a notre nouvelle ensemble. Dites-moi en commentaire, ça vous fait penser à quoi? Voilà les amis, comment ça se présente. Donc on a mis le collecteur sur le côté. On va remplacer ici les joints, on va revisser la nouvelle valve PCV. Finalement, la durite du fond, on ne va pas la remplacer pour le moment. Elle ne semble pas avoir de dégâts. Et si c'est le cas, je la remplacerai encore dans le futur. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais là, je pense avoir quand même trouvé la panne. Pourquoi? Parce que on voit bien que la durite qui est censée amener l'air forcé aux injecteurs mécaniques, elle était complètement morte. D'accord? Et vous savez, c'est un effet en fait... Alors, une durite, ben, c'est très simple. Elle est censée amener de l'air d'ici dans cette direction. Mais si je fais un trou ici, l'air qui pousse ici va créer une aspiration. C'est pour ça qu'une durite ne peut pas être percée. Vous voyez? Donc dès le moment où elle est percée, elle fait le contraire. Au lieu d'amener de l'air, elle tire. Et donc ça peut nous donner une bonne piste. Là, pour le moment, moi je suis vraiment content d'avoir trouvé ça comme ça. Parce que sinon, autrement, je n'avais pas de piste en fait. Moi, j'étais complètement perdu avec toutes les pistes qu'on a changées. Mais celle-là, c'est parce que aussi, j'y ai pas pensé. Ben voilà, parce qu'elle est cachée par le collecteur. Et pour moi, je pars du principe que ça a été bien fait par les anciens. Mais comment on peut oser remonter ça? Et ne pas connaître les principes de base de la mécanique. Ces principes, je vous l'ai dit la dernière fois, il y a de la chimie et de la physique. C'est tout à fait normal. Si je fais un trou ici, au lieu de pousser l'air pour faire fonctionner les injecteurs mécaniques, elle tire l'air. Et donc fatalement, regardez celui-là, elle était bien. Donc l'injecteur numéro 3, il fonctionne. Le numéro 1, un petit peu. Mais le numéro 2 et 4, pas. Vous voyez ici, ils ont complètement fendu. J'en ai marre, voilà. Première chose, on reconnecte sa valve PCV. Alors, on ouvre sa pochette de joints. On récupère ses nouveaux joints et finalement, ils étaient fournis par deux dans la pochette. Alors, c'est le premier. On passe sur les autres. Ça, on laisse comme ça pour le moment. Mais très bien. Alors, on va pouvoir repartir avec l'araignée. Et là, on s'assure de connecter toutes les durites correctement. On essaie de le faire bien. Voilà. Donc, ça va être juste comme ça. Et on laisse ça comme ça. D'accord ? Ensuite, on récupère son connecteur. Alors, on va passer par derrière ici. Voilà. Alors, c'est pas faute d'avoir cherché, mais je n'ai pas trouvé les coupes de serrage ici pour le collecteur ici de ces moteurs-là. Donc, on va aller comme je pense être bon. Voilà.
c'est en place, c'est bien, il n'y a que des nouveaux joints. D'accord. Ok, donc tout est en place, on va pouvoir faire un premier démarrage. Deux injecteurs qui n'ont pas fonctionné correctement pendant plus de 6 mois. Il va falloir attendre un petit peu que tout ça se remette en place. On va pouvoir tester dans quelques minutes. 1 minute later. Vas-y. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je sors les injecteurs et on voit? Bon, les amis, premier test non concluant. Donc elle tourne exactement de la même façon, même avec les nouvelles durites. Je me demande si c'est pas la saleté qui a bloqué les injecteurs, en fait la partie mécanique de l'injecteur. Donc on va démonter 2 injecteurs et voir un petit peu si on arrive à nettoyer ça. Et à voir un peu plus quoi. Donc on redémonte. A few moments later. Donc voilà où est-ce qu'on en est maintenant. Donc j'ai retiré la rampe d'injecteur. On a pu les nettoyer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qui en est sorti, mais c'est pas joli joli. Vous n'arriverez pas à le voir, mais c'est plein de particules en fait. Et donc voilà, ça ressemble à ça maintenant que c'est démonté. J'ai nettoyé les puits d'injecteur. On va pouvoir le remonter.
c'est pas encore ça, mais c'est normal, il y a de l'air, il faut attendre. Hein. On a vidé le circuit. Hein. Faut attendre quelques secondes. Non, j'ai pu purger avant, mais. C'est un peu plus fort. Ouais. Vas-y, accélère un peu. Tourne mieux quand ils montent en régime. One eternity later. Voilà les amis, cet épisode s'arrête ici. Alors, au final, on a réussi à réparer le véhicule. Mais, donc en fait, on aurait dû diviser le problème en trois parties. C'était trois choses distinctes. Et en fait, donc moi ce que j'avais des ratés d'allumage et j'avais un rupteur à 4000 tours. Et en fait, quand on a fini le véhicule, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de raté. Après avoir nettoyé les injecteurs, on avait plus tout ça. Donc ça montait de manière linéaire. Le moteur tournait rond, mais il répétait toujours à 4000 tours minute. Et finalement, mon ami Pietro a pu aller voir un spécialiste des Z3 pour voir pourquoi le véhicule répétait à 4000 tours minute. Et en réalité, c'était dû au fait que donc son ancien garagiste lui avait monté un faux capteur de position des arbres à cames. Donc le capteur de position d'arbre à cam était en réalité un pirate et il ne communiquait pas correctement avec le véhicule, d'où la rupture à 4000 tours minute. Je n'ai pas pensé du tout aller dans cette direction honnêtement parce que selon moi le véhicule n'aurait pas dû démarrer en fait. Si on aurait eu un problème, normalement quand vous avez un problème de capteur de PMH, capteur d'arbre à cam, capteur de vilebrequin, ça signifie souvent aussi l'impossibilité de pouvoir lancer le véhicule. Et je ne me suis pas dirigé vers cette piste parce que pour moi, il n'y avait pas touché en fait. En réalité, on se rend compte que l'ancien garagiste a fait vraiment ce qu'il voulait en fait. Il démontait, il cassait, il remontait, il changeait des pièces et il facturait ça à un pont. Et finalement, on a dû repasser derrière lui pour tout le travail qu'il a fait. Mais moi aussi, en fait, je me suis fait avoir un peu comme un bleu parce que je partais du principe que ce qui avait été fait était bien fait. Et en réalité, ce n'était pas le cas. Vous avez vu le test à la fumée, c'était juste incroyable le fait d'avoir monté tout ça de manière quasi sauvage, en fait. Et finalement, aujourd'hui, le véhicule tourne rond, d'accord ? Le véhicule aujourd'hui il tourne rond, il tourne bien et il a sa puissance totale. Ce qu'on doit encore faire maintenant, c'est sur ce véhicule prochainement. Donc ça va être un entretien et un remplacement de tous les fluides. Donc faites-moi savoir si cela vous intéresse parce que j'ai vu que la vidéo précédente n'avait pas eu le succès escompté. Donc je me demande est-ce que vous portez vraiment un intérêt là-dessus. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez me le dire tout simplement en commentaire. Et je vous épargne bien sûr tout ceci. Moi j'essaie de vous proposer du contenu qui est attractif, mais si cela ne vous plaît pas, vous pouvez me le dire aussi. Et comme je vous ai dit à plusieurs reprises, c'est votre chaîne. Voilà, regardez, ça a été remonté comme ça. Donc c'est totalement scandaleux. Comment on peut rendre comme ça la voiture au client? C'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est après filtre à air. Ça veut dire que tout ce qui rentre là, c'est de la crasse qui va aller directement au moteur. Sans filtration, pas besoin de filtrer parce que c'est après le filtre. Donc c'est vraiment un scandale, c'est assez une catastrophe. Mais ça, de toute façon, on commence à être habitué maintenant sur la chaîne à voir que des catastrophes. Hein. Ceci étant dit et ceci mis à part, il y aura aussi peut-être une préparation physique sur le véhicule. Pour ceux qui me connaissent d'avant la chaîne YouTube,
savent qu'on est capable de faire des choses exceptionnelles, des transformations exceptionnelles sur les véhicules. Et mon ami Pietro m'a sollicité pour peut-être faire une préparation physique sur ce véhicule. Et voilà, donc si cela vous intéresse, ça peut devenir un projet sur la chaîne et je vous montre aussi un petit peu sur quoi on va aller. Je vous le dis tout de suite, c'est unique. Comme à mon habitude, ça va être unique en fait. Donc peut-être qu'on va aller là-dessus. On est encore en train de réfléchir avec mon ami et est-ce qu'on fait ça ou pas. On va voir, on est encore en train de discuter. Et si ça se fait, ben vous l'aurez. Je peux vous le filmer, je peux vous filmer les étapes par quoi on va passer. D'accord. Voilà, la barre de commentaires est là. Faites-vous plaisir, s'il vous plaît, et tenez-moi au courant. On se voit très bientôt sur la chaîne. Tchuss.